ça vous gêne pas, je suis désolé. Mais si vous pouvez mettre un petit like, un petit com sous la vidéo avec les petits emojis que je mets comme d'hab pour le soutien, ce serait quand même très cool. Mais en tout cas, sachez que pendant la vidéo, il y a un feat avec mon papa qui fait de l'ASMR. Donc je m'y attendais pas du tout, mais c'est trop marrant. c'est pas marrant, mais je m'attendais pas. Enfin, la situation, je l'ai trouvée drôle parce que je pensais pas que j'aurais pu, enfin, pas forcer, mais demander à mon père de faire de l'ASMR et qu'il m'aurait dit oui. Au début, il m'a dit non. Après, il m'a dit oui. Bref, je vais essayer avec la vidéo. Mais je m'excuse vraiment énormément pour le son. J'ai fait avec les moyens du bord. et voilà, j'espère quand même qu'elle sera un petit peu reposante. En tout cas, si je ne souviens pas, bon, il y a au moins de belles images. Voilà, du coup, je vous laisse avec la suite. Voilà, sur ce, bah, bisous, bisous. Bye. C'est la première fois que je fais une vidéo dehors. Du coup, c'est assez. Enfin, non, j'avais déjà fait un vlog où j'étais en train de faire mes courses. Mais c'est la première fois que je fais une vidéo dehors dans la nature. Bref, là, je suis pas chez moi. Je suis chez mes parents. Et je me suis dit, mais il fait trop beau. Donc, on va faire une petite vidéo dehors avec le petit micro-cravate que j'avais acheté il y a... Perpète. I don't know. Et c'est pas grave. Bref, du coup... j'espère que le son environ... Non, j'ai aucun retour, donc j'espère qu'il est pas trop mal. Et puis, vu qu'il y a du soleil, je me suis dit que avant d'aller faire un petit peu d'ASMR dans le jardin, on va mettre un petit peu de crème solaire. Bon, c'est pas sponsor par Nivea, mais c'est pas grave, j'aurais bien aimé. puis j'ai aussi une pour le visage, c'est une crème solaire australienne. Je sais pas si vous la connaissez. I don't know. Ça, je la mettrai en off parce que sinon ça va être un peu galère, je pense, avec mes cheveux et tout. Mais je vais la mettre et tac, je vais vous accrocher là. Du jardin. Regardez comment il fait trop beau. Alors du coup, bon, là c'est la maison des voisins derrière. Ici on a plein de fleurs, de rhododendrons. Derrière la bâche aussi, où il y en a peut-être plus. Je sais pas pourquoi il y a une bâche. C'est bizarre. Et en fait on a plein de petits arbustes par ici. Mieux comme ça quand même. Et là je suis en train de vous faire tenir sur le... Le truc en bois, c'est un peu le bazar. Bon, je suis peut-être pas venu au meilleur moment pour faire ma vidéo. Par contre, oula, il y a un trop beau soleil pour le coup. Là, il y a de quoi bronzer, moi qui voulais bronzer. Là,
Absolument trop mignon. Voilà. Il y a plein de papillons, j'aime trop. Il y a des papillons. Dans celui-là, il y a plein d'abeilles. Tout le temps. Voilà. Save the bees. Save the bees. Voilà. Je sais pas où est-ce que je peux faire des petits sons. Peut-être que je peux me mettre par terre. Sauf que, en fait, j'ai pas le meilleur outfit. Dites-vous que moi, je suis en sabot de jardin. Voilà. Et je suis avec un outfit assez clair et comme l'herbe est encore un petit peu trempée légèrement de la brise du matin, et ben j'ai pas envie de tâcher le pantalon qui devienne vert. Attendez, est-ce que je pourrais pas vous poser dans le petit arbre? Et ben on va tester. Les salades. Ce sont des blettes. Ok. Et après on a fini. Là-bas, il y a des betteraves aussi. Encore des betteraves. Attends. Là, du coup, on a les blettes. Là, c'est les blettes. Oui, ce sont des blettes. Ok. Pour faire des côtes de blettes. Pour faire des côtes de blettes. Et là, on a les betteraves. Oui. Et là, les concombres. Oui. Et elle a fait le tour. Oui. Voilà. Ici, on a la lavande. Je crois que c'est ma mère qui a mis ça. Il y a un petit moment. Un petit peu de lavande. Voilà. Et là, on a le petit chat. Coucou. Bon, bah, il dit pas bonjour. Attendez. Le petit chat. Bon, on est vraiment entre nous. Hein. Là, pour le coup, c'est story privée. Dis bonjour, petit chat. Il s'appelle Minou. Quel nom extrêmement original, n'est-ce pas? Il a pas envie.
y a autre chose qui l'intéresse clairement. Bref, attends 2 secondes. Il va partir parce qu'il s'en foutra de nous, clairement. Mais lui, moi je t'aime bien. Il est parti. Bon, pas moi si je pars. Là, quand on était petit, on passait toujours par là. Pour arriver, bah là on était tout à l'heure. On passait toujours par ici. Du coup, la planche roi s'est habituée et elle a toujours laissé. Alors, le petit chat. Le petit minou. Ouais, c'est ça, fait dodo. Bon, bah, il me regarde. Bref. Je disais, I don't know what flower is it, babe. Marco, ton anglais, s'il te plaît. Mais bref, du coup, je pense que la plante est assez habituée à ce qu'on passe par là. Et elle a toujours laissé des petites. Genre, pas trop de feuilles, naturellement. Très bizarre, mais on aime. Bref, on repasse par le passage secret. Voilà. Et puis bah écoutez, je pense que j'ai fini de présenter, enfin, de faire mon petit tour de jardin, parce que après, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à montrer. Voilà. Je voulais juste faire un petit tour et faire un petit peu d'ASMR tranquillou pilou. Et ma mère m'a proposé d'aller à la plage. Donc je me dis, pourquoi pas continuer l'ASMR à la plage. Enfin, faire un petit tour à la mer, donc pourquoi pas faire un ASMR mer. Un ASMR mer. Et peut-être Campus, bah, elle pourra filmer. Ce sera peut-être un peu plus stable que moi qui tiens avec ma grosse main. Avec ma petite main, mon téléphone. Voilà. Mais trop marrant, je pensais pas que mon père ferait l'ASMR. Bah, maintenant c'est fait. Bien arrivé à la mer. Avec ma mère. Faire une vidéo et sa mère, tout qui rime. Ça va être compliqué. Il n'y a pas beaucoup de cailloux. Bref, je vais aller sur l'île, donc c'est pas grave, je vais quand même traverser. Bon, bah, au final, je vais y aller pieds nus parce qu'en fait, je me dis que ça va pas le faire, mais je suis complètement trempée. Voilà. Bon, là, c'est mon pantalon qui va être trempé parce que je peux pas tenir mes chaussures, le micro et le téléphone et tout. Mais bon, je fais ce que je peux parce que je veux absolument arriver sur la petite île pour vous montrer, en fait, parce que quand on était petit, on y allait assez souvent. Et du coup, j'ai juste envie de vous montrer la petite île sur laquelle on allait étant petit avec ma famille, en fait. Là, je me dis d'aller sur le bras, c'est assez désagréable en même temps. Youpla. Bon, ça fait du bien parce que du coup, comme du coup, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ben du coup elle est tiède. Voilà, bon, j'espère qu'elle va pas monter trop vite. Mais bon, de toute façon, maintenant que j'ai enlevé les chaussures, bon, on arrive sur la petite île. Avant il y avait plus d'arbres. C'était encore plus joli. Bon, du coup j'ai laissé mes petites chaussures là. Et il y avait encore plus d'arbres. Là-bas c'était encore. Par contre il y a des petits bouts de verre. Je vais essayer de pas me casser le pied et de me planter du verre dedans. Mais il y avait encore plus d'arbres, je disais, voilà. Et il me semble, je sais plus l'historique de ce petit endroit, mais il me semble qu'il y avait une maison avant ici, si je dis pas de bêtises. Mais bon, la mer monte plus haut qu'avant, et du coup petit à petit, elle a dû être détruite, je crois, parce que de toute façon l'eau montait trop haut. Si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas si c'est pas ça, bah, c'est ce que j'ai toujours cru dans ma tête. Voilà. Puis on a même des morceaux de je ne sais trop quoi, donc ça, si c'est faux, et ben c'est peut-être à cause de ça que j'ai cru. Bref, allez, maintenant on va sur ce petit bout d'île paradisiaque trop mignon. Bon,
quand les gens viennent pas camper dessus, faire des bêtises dessus. Parce que ça arrive aussi. Bref, allez, on monte sans se couper les pieds, ce serait sympa. Parce que bon, une fois à l'hôpital cette semaine, pas deux s'il vous plaît.